Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Dans sous-commissariat La Saline, nous songez dans la date 5 pour arriver 6 juin. Il y a trois policiers qui ont perdu la vie dans la zone ça. Et la police possède arrestation. Les gens qui sont là et ils ont déjà déféré. Il y a un policier BAF, qui est brigade des affaires financières et économiques, qui est une entité qui est dans le CPJ. Entité ça arrive et procède à l'interpellation. Léman Léandre, Kersin Léandre, Basler Le Riche. Mounsa a été arrivé dénoncé par Jean-Pierre Genel Chol, qui était journaliste à Solto. Mounsa a été amusé, acheté machine dans mes mounes. Et là, au fin, recevoir machine, ça a eu bon chèque. Et chèque ça sans provision. Ou du moins, chèque ça a li ou pral tirer sur un compte qui est déjà fermé. Et il y a 8 plaintes qui étaient déjà portées pour Mounsa a 8 propriétaires de véhicules. Il y a 10 millions de goudes que Mounsayo est arrivé prendre dans Mounsayo. Et la police est arrivée procéder à l'interpellation. Il a continué de travailler sur le dossier pour rejoindre tout le monde qui est impliqué dans le réseau. Ça. Pour le dossier qui a rapport avec la direction départementale Ouest 2, il y a Wilson Joseph qui était un véhicule qui était kidnappé et qui était arrivé identifié. Ma clé machine ça li dit ça c'est clé véhicule li que l'a été kidnappé là il était avec véhicule li et c'est sous rançon il était joindre libération nèg ça yo après répondre question la police pour yo capable déférer la justice pour yo capable dire qui ça reconnaît dans zak ça dans mois d'hier a toujours gagné plusieurs nèg à moto yo était au nombre de 3 te gagné un dispositif qui était établi côté t'a fait checkpoint sur plusieurs véhicules. Et l'ennex a arrivé devant check ça, la police t'a demandé pour te camper. Yo te pas hésité une fois pour te tirer sur la police. La police lui-même t'a fait riposte et gagné deux nan yo qui t'est arrivé mortellement blessé. Toujours dans 125, dans la date 7 août, t'a gagné individu à bord pour te demander pour yo capable avancer pour yo capable fouiller yo, yo fait même mouvement, yo tiré sur la police. Et la police même t'a riposté, t'a gagné deux là-dedans qui t'a fait perdre la vie. Et dans même monde ça yo, yo t'a joint un pistolet de calibre 9 mm numéro RAU 98-96. Et zam ça arrivé récupéré et de monsieur ça yo, yo perdu la vie yo et gagne une qui prend la fuite, la police a cherché. Dans date 8 août, gagne un Jeep Mat Nissan Xterra, de couleur verte, numéro plaque BB45971. Il y a un individu au jeune à bord véhicule ça, la police t'a posé la question et m'a dit pour le présenter pièce li. Et il t'a posé quelques autres questions, m'a dit si est-ce qu'elle a des sous lui. Il dit non. Mais la police pas de quoi dans ça le dit, il t'a dit pour le descendre véhicule là. Et il t'a commencé à fouiller machine ça. À bord véhicule ça, il t'a un Uzi PM01625. Et monsieur ça a été présenté une carte pour te faire comprendre lycée agent Bessap. Pour qu'on y a la prépondre question la police pour le capable à dire la justice qui ça lui connaît. Non, carte ça lui présenté selon toute vraisemblance, c'est pas une bonne carte et zam ça qui était dans là qu'elle pas de droit pour te marcher avec lui. Il y a l'autre arrestation qui rivait faite. Nous gagnons Wislin, Pierre, ses fleurs, dans Jérémy, première image là. Madame ça, dans la zone Delma 5, il était impliqué dans la mort concubin. Et il était arrivé sauvé, il est allé dans Jérémy, il a le caché. Et la police dans Jérémy est arrivé procéder à l'interpellation. Il a gagné pour lui rentrer dans Port-au-Prince pour venir répondre à une question à Zach qui était posée. Nous gagnons Taïna Soulage, dans NIP. Madame, ça, c'est deuxième image là. L'irrivé retirer la vie concubin li tout avec un couteau. Et pour qu'on y a, la police est arrivée procéder à l'interpellation li
la prépondre question la police et ensuite libéral bail la justice qui ça les connaît sur ça qui était passé. Le changement qui est effectué dans commandement PNH là. Nous gagnons un nord, nous gagnons le commissaire divisionnaire Franz Mathurin qui connaît c'est lui-même qui directeur départemental nord. Nous gagnons un NIP, nous gagnons commissaire divisionnaire Arsène Selmon. C'est les mêmes pour qu'on y a qui est responsable NIP. Nous avons au niveau palais national, il y a des changements qui sont effectués. Côté pour qu'on y a là, coordonnateur général là, c'est un inspecteur général lié. Et dans chaque unité qui est responsable sécurité, président et sécurité palais, c'est un inspecteur divisionnaire qui met en tête yo chaque. Et il y a des évaluations personnelles là qui sont faites pour qu'on y a. Il y a 20 inspections générales pour mener sur tous les policiers qui travaillent dans l'unité. Et il y a des formations qui sont faites pour tous les agents qui sont intégrés à l'équipe. C'est pour capable rassurer tout le monde que le monde a fait pour travailler avec eux. Il y a des 20 qui sont faites sur eux pour être capable de clean l'équipe. Nous allons passer dans le transfert de dossier qui a rapport à la mort du président de la République. Procédure qui a un rapport avec l'assassinat du président de la République, M. Jovenel Moïse, est transféré dans le parquet tribunal première instance. Rapport ça, il y a 5 tomes et un résumé de 124 pages. Et dans quatre dossiers, il y a 44 personnes qui sont arrivées interpellées. 44 personnes, il y a 18 Colombiens, mais les gens. Il y a 4 Haïtiens américains et nous avons 22 Haïtiens. Parmi 22 Haïtiens, nous avons 20 policiers. Mais toutes les listes sont les gens qui participent. Et ça, nous avons une image. Tout le monde qui est impliqué depuis en haut dans le dossier, ça, c'est l'image, la relation qui existait entre eux, le contact qui était pris entre eux, ça c'est l'image qui représente. Il y a quelques âmes qui arrivaient transférées dans le parquet. Nous avons l'image là. Ça, c'est les âmes qui étaient arrivées saisies par plusieurs personnes et dans les Colombiens. Ça, c'est toutes les âmes qui là. Nous avons 61, nous avons 11 fusils automatiques, 15 pistolets et 34 autres armes de tout calibre. Nous avons M1, nous avons 12, nous avons M30. Et nous avons des gilets par balles et nous avons 3 grenades à fragmentation qui ont été saisies. Parmi les pistolets, nous avons sauté là, nous avons des armes policières qui ont travaillé dans le jour que le président, que les Colombiens ont été prendre en main. Parmi les pistolets, nous sommes là. Gagné une quantité d'argent, il était joint sous 3 Colombiens qui étaient joints dans l'assassinat président. L'argent, ça a eu, c'est l'argent qui était joint sous eux, qui représentait une valeur de 40 480 $ US et 117 475 gourdes. Ça y est, allez dans le parquet. Quand on a passé dans le dossier Martissan. Depuis plus passé deux mois avec quelques jours, il y a une violence sans pareil qui éclate dans la zone Martissan. Et violence, ça, c'est conflit d'intérêts qui cause les. Quand il y a plusieurs personnes qui arrivent victimes, plusieurs personnes perdent la vie. Il y a plusieurs habitants qui est obligé de quitter la zone pour aller réfugier dans l'autre espace. Il y a un sous-commissariat dans la zone qui a subi attaque nègre avec ZAM. Depuis 5 août, la police renforce la présence dans le commissariat Matissan. Il y a des blindés qui sont toujours à retourner dans la zone. Sa. Et pour qu'on y ait blindé ça, ils ont renforcé. Ils ont plus toujours qu'à virer monter des stands dans la zone ça, pour qu'à permettre à la population de vaquer à l'occupation personnelle. Il y a des opérations qui commencent à mener. Il y a une reprise de circulation qui refait.
et des maisons qui te servent cachette à des bandits que ils ont commencé à descendre maison ça de façon pour capable permettre à population vaquer à occupation personnelle. N'a porté en précision que hier 8 août là, vers 6 heures gagne un policier qui est arrivé touché par balle. Comment ça est arrivé fait? Policier ça qui tape sorti en dedans commissariat, il était prêt à le monter en blindé. Il était prêt à faire un échange d'armes selon première information qui vient joindre nous. Il était prêt à échanger d'armes qui est dans le là. Et des bandits qui n'ont pas cachette, sont arrivés localiser policier ça et tirer en direction avec un M14. Policier ça est atteint dans le gilet par balle. Et par ricochet, balle ça arrivé blessé le bras. Depuis hier soir, policier ça rentré la caille, santé li stable pour qu'on y ait. Toujours les blindés qui ont continué à sillonner les zones, n'a pas rappelé, PNH l'a fait tout effort, l'a déployé tout les folies pour les capables de la population en service. Pendant que l'État lui-même a fait qu'on le connaît pour les capables de permettre à la population de râler en souffle. Mais nous tous qui là, journalistes, moi-même en tant que policier, yon l'autre en tant que policier, entrepreneur, moun qui se leader dans la communauté sa yo, yon parent, quel que soit moun nan niveau lié, li gen apport pali pour l'ipote, contribution pali pour l'ipote, parce que nous, population, à descendre nos niveaux là, nous pas qu'à continuer à descendre plus bas. Nous chaque, selon nous-mêmes, pour nous parler avec population, faire li wè, bon côté, mauvais côté ça l'a fait et bon côté pour le prendre pour chercher bonne direction pour le copier ça qui est bon mais pas ça qui pas bon parce que nous avons un pays pour nous tous, nous pas qu'à détruire, nous pas qu'à descendre plus bas que côté nous est là. C'est peut-être ça la police l'a demandé population collaborer ensemble avec lui. Il pas demandé nous pour venir camper derrière dol mais bal information nous même qui gagne micro parler avec mon yo fait ouest comportement pour yon. Faire des émissions qui sont capables de porter bonne information pour la population. Pas dans voyer monter pour dire Bali, Bali Boulevard. Mais non, dis non, on nous sauve le pays. Non. C'est comme ça, on a demandé collaboration à tout le monde. Parents, si les gens qui pleuvent, ils ont une parole pour parler avec petit yo, pour petit yo, qui direction pour prendre. Parce que si les gens jeudi, grand monde demain. Dans le cadre de renforcement qu'a fait toujours, dans la ville, il y a un PNH qui est présent. Il y a une circulation qui a reprendre pour qu'on y a là. Et c'est une unité spécialisée qui occupe la zone. Et il y a quelques dossiers de kidnapping. Kidnapping dans nous est là pour remonter. C'est plus dans la zone des bouquets que nous avons enregistré plus cas. Et nous avons un cas auto-kidnapping. Côté dans la date 15 juillet, Carmel Bettina Basile te vin pote plainte dans DCPJ. Madame ça, li ta fait konnen dans la date 10 juillet, li te sorti petit grave, li vini Port-au-Prince et yo te kidnappé li. Et dans la date 13 juillet, li te jwenn libération. Et pendant temps ça, li vin pote plainte dans DCPJ. L'État fait que les DCPJ commencent à poser la question, l'arrivé à avouer, l'y fait connaître que c'est Kayon Zamil, l'ango naïve, l'État allait cacher. Et l'y fait comprendre que y'a kidnappé. Et raison, hein? C'est parce que l'ivlé prend cob sous Maril, qui vive dans les États-Unis. Et lui-même, l'y fait plein ça, pour l'y capable de prendre cob sous Maria. Et l'y enceinte pour un autre garçon. Nous, on a causé, nous trouvons, nous. Les trouvelles, ça fait le monde courir, monter, descendre, prendre position, kidnapper, tête tout le monde chaud, c'est-à-dire que c'est un plaisir lié. Et puis, l'enceinte, qu'on y a, il fait comprendre qu'il y a un kidnapper. Alors, il faut que nous vigilons, que les gens disent qu'il y a un kidnapper, pas hésiter à le porter plainte. Laisse ça pour des CPJ lui-même, à mesure qu'il est capable, pour aider les gens. Et si toutefois, dans la minute qu'il y a un kidnapper, il n'est pas arrivé à aider les gens, mais après, la continue le dossier, le monde qui est responsable, la privée procède à l'arrestation. Et dans le dossier qui a rapport avec la fête champêtre, le commandement de la police l'a demandé tout le monde qui a organisé les festivités pour informer la police, pour la police capable d'accompagnement.
dans ça qui gagne pour avec carburant qui vend dans galon. Nous gagnons dans nos pays la police ensemble avec la justice déjà procédé avec saisie plusieurs récipients qui remplis avec carburant. Côté moun a vend carburant tête nègre. Saisie ça va continuer dans quelques autres zones dans pays a. Nous attiré attention tout l'autre monde. La police ensemble avec la justice pour aller commencer saisir carburant qui dans même monde qui vend à côté pomme gasoline dans tout coin la rue. C'est un danger les représenter pour population parce que dans nord tu as du feu qui t'est arrivé près. Pendant mon a vend gasoline dans galon. Alors c'est peut-être ça pour protection population ensemble avec la justice, la police pour aller commencer saisir carburant mon a vend dans galon dans tout coin. Et n'a pas tiré attention mon yo. Pas à l'acheter gaz pour aller vendre pour pas perdre l'argent. Et pour Pissio, monde qui est responsable, bon Pio, tant pis, pas vendre mon gaz dans le galon. Je pense à grand pas. Nous avons un petit handicap le week-end à cause d'un marteau piqueur. Nous avons fini. Le premier, c'est nous essayer de la carrière. Puis la casser. Le temps pour nous prendre le high-track. Nous avons fermé au point de vue samedi. Matin, là, nous avons fait une arrêt. Les mécaniciens ont monté pour nous là, pour nous continuer à fouiller Daloa. Entre temps, Daloa, nous travaillons dans fouiller Daloa en attendant la matinée qui est arrangée. Actuellement, là, on a préparé pour nous faire carnivore, côté qui est spatial. Disons pour le chantier à pas caper même en seconde, parce que nous avons intérêt pour nous avancer avec le rapide. Nous avons une zone là, la pluie tombée et l'eau qui descend par écraser toutes sortes d'effets. Et donc, pendant que nous avons une station de là, on a avancé. Si des poteaux qui viennent pour déplacer déjà, parce que dans les prochains jours, les poteaux sont déplacés pour nous capables de venir espacer pour nous travailler convenablement. Nous avons préparé pour nous faire carnivore, ou après nous avons un camion béton en bas là, qui a fait tout droit à côté de faire carnivore déjà. Parce que les béton, nous avons utilisé le côté de la préparation là pour faire carnivore là. Et nous avons presque cité dans un deuxième camion béton encore pour nous. Et nous avons fait tout le camion là. Les mécaniciens ont venu remonter depuis là pour nous là pour nous continuer. Parce que c'est tout carrément pour nous fouiller pour nous implanter dans la loi. Et puis nous implanter, nous avons fouillé et avant de nous nettoyer pour nous construire la loi normalement. Dans la loi, nous avons côté en bas, nous avons exactement là en gavenir du Chili à Révi. C'est qu'il y a environ 100 à 150 mètres linéaires dans l'eau dans le prochain. Après ça, nous avons la deuxième partie dans l'eau qui est en versant. Notre personne va bien faire et commencer avec la culpabilité. Puis c'est des jeunes qui font diplômés qui viennent dans le cadre politique ministère pour former les jeunes pour prendre la relève. Je ne suis pas tout le temps. Je ne viens pas être devant me réaliser. Je suis là, demain, je ne vais pas me rappeler pour nous former les jeunes pour assurer la relève. Je ne suis pas sur le chantier toute journée pour les jeunes pour avoir l'expérience, pour connaître. Là où voilà, il a ou pas dit le mec qui a besoin et puis il a pas assuré, même si on était là, il a pas fait derrière. La population m'a espéré ça. Tout le monde prêt, tout le monde est prêt. Et dans un petit entrée, tout le monde est avenir N, sur route et flambant neuf pour mon mieux circuler normalement. Je suis en train de travailler parce que c'est une zone qui est qui compte un décret de jeu, un matériel piqué pour bagage. Mais nous avons tout le matériel là, nous avons avancé là pour nous faire finir. Dans le jour où il y a un peu de temps, on a fini avec. Nous pouvons commencer, nous allons commencer à faire la en bas. Les camps de bas, nous passons à Boël, nous avons les sols de la peinture, nous servons avec Mani et ça va tous les matopiques. Nous servons à tous les deux pour nous sommes capables de nous libérer. C'est avec ces matériels que nous sommes capables. Parce que notre matériel n'a pas fait parce que nous avons fait avec sol qui est vraiment très dur. Et puis c'est ça qui a couvé. Qui a coupé le roche là. Mais il est difficile pour nous trouver le Gaza, mais en un mot, le gérer parce que nous n'avons pas besoin de faire ça. Le gérer à faire le Gaza, c'est qu'il a géré tout ça. L'opérateur travaille là, pour moi-même, moi l'a bien marché. Pour moi-même, l'a bien marché parce que tout ça qui vous a fait, moi, tout le bagage respecté, moi, tout le bagage fait. Nous-mêmes, regroupant l'organisation syndicale avec l'organisation de base, nous venons faire conférence de presse sur deux grands points qui sont vraiment importants. Je dis à moi, je viens parler ensemble avec certains membres de la classe politique. Je viens dire qui ça? Premièrement, ouais, la presse, le matin,
yo fait gros déclaration, yo dit yo va reconnaître docteur Ariel Henry comme premier ministre. Dans la soirée, yo tant kou Lougaou, y a négocié avec un gros poste, gagné qui négocier BMPAD, gagné qui négocier sacré le avec un gros poste, moi d'accord parce que la politique c'est un jeu d'intérêt. Mais quand l'organisation de Bazio, mon pied à terre, mon dans le Grand Sud, mon dans la 32, mon Cité Soleil, mon Akaye, mon Bois des Bouquets, est-ce que vous avez une négociation? Je dis, moi je dis, monsieur, pas de problème. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas écarté le processus de gouvernement bicéphale là. Cependant, mais depuis un mois, mes amis, classe politique ça, pas jamais chita pour chercher ça que nous consensus. Il y a tout le président dans le poche. Pendant ce temps, oublié un gros dossier, bâtissant. Il y a oublié le dossier de sécurité Grand Sud là. Mon a mouru. Il y a oublié mon cas dans le quartier populaire qui est dans une situation qui est vraiment difficile. Je dis, mon quartier populaire vient dire que ça ne va pas attendre encore. Il vient dire nous, mes messages. Il a dit pour me porter, frère, camarade, classe politique. Je dis tout le monde qui est dans le monde qui est sérieux. Cependant, je vous dis, messieurs, entendez bien. Vous avez dit que vous n'avez pas attendre le gouvernement de Bicéphale. Vous avez besoin d'aller mieux. Vous avez dit que nous entendons avec le docteur Ariel Henry pour nous jouer au sacré de consensus politique, pour nous payer une nouvelle orientation sur le plan de sécurité, sur le plan social, parce que nous sommes dans une situation qui va pas difficile. Il y a une entente entre le pays. Et en plusieurs circonstances, président Jovenel et a insisté sur la nécessité d'un dialogue. Et nous-mêmes tous, dans MNP 28, et comme parti politique, nous toujours a persisté sur la nécessité d'un dialogue. Il en est de même pour le PHTK et les partis alliés. Ok, mais ça va jamais qu'à faire parce que faut souvent entendez qu'on en est qui un dirigeant politique, ni tout lui-même, il parle de négociation, il parle de compromis. Or en politique, nous pensons que un niveau de flexibilité que tout dirigeant politique fait pour gagner. Et n'a pas gardé l'énal de l'histoire. Nous pensons que si nous guettons ça, nous menons, comme Haïti, pays indépendant, eh bien, c'est parce que les dirigeants, malgré divergences, nous avons des désaccords que nous avons sur un certain nombre de questions, finalement, nous avons allé à la carrière, nous avons allé à Fort Liberté, eh bien, nous avons joint une entente, pour nous mettre ensemble, pour nous être capables et retirer les Français dans le pays pour nous. Et rendre Haïti un pays libre et indépendant. Donc moi je crois que nous avons une situation côté que il y a une sorte d'entente qui fait pour et traverser le pays de fond en comble et de l'autre en large, côté que nous reconnaître que c'est frères et sœurs nous y est, et que par conséquent nous avons le devoir de créer les conditions pour que nous capables vivre ensemble et pour que nous tous capables de vivre bien. C'est que le président du pays a été assassiné. Il est assassiné en Danakaïli. Ce n'est pas une embuscade qui était dans pour lui. Et puis il a assassiné. Mais c'est en Danakaïli. Et il s'est trouvé que pas gagné aucun monde qui a gardé lui, qui gagnait, excepté madame ni qui blessé ou bien qui gagnait un dommage quelconque. Donc, je pense que ça a créé une situation très dramatique pour le pays. Et je pense que même les gens qui étaient adversaires et président Moïse, eh bien, ils ont souffert de situation ça. Donc, moi, je crois que nous-mêmes, il faut rentrer, tout Haïtien entre nous-mêmes, une prise de conscience pour comprendre que, bon, petit pays, ça là, hein, et Jean-Jacques Dessalines quitte pour nous, et nous avons pour obligation pour nous faire pays à un bel pays, d'ailleurs naturellement son pays qui est bel, mais pour nous créer les conditions pour tout le monde capable de vivre bien dans le pays.
pas qu'à contre réalisation élection, puisque élection dans un pays démocratique, c'est la voie, le passage obligé pour arriver au pouvoir, pour renouveler le personnel politique. Mais maintenant, d'ailleurs, je le disais déjà au président Jovenel Moïse, lorsque nous avons gagné en tant que parti allié au PHTK, et nous avons rencontré à CLI, c'était le 27 août, eh bien, là, il était posé problème que l'IPRAL fait élection et l'IPRAL fait référendum pour la Constitution. Donc, nous positionnons, c'est que nous avons dit, monsieur, oui, c'est bien, tout ça, c'est très beau, mais ça n'est pas réalisable si les questions de sécurité ne sont pas réglées. OK? Donc, nous avons été quelques démarches qui étaient faites, l'Italie dans la Tibonite, et ensuite, bon, il était venu lancer l'opération, hein, bon, nous-mêmes, et nous pas là pour nous bloquer quoi que ce soit. Donc, mais c'est clair que nous avons une situation, parce que, et après, comme ça, le lendemain même, et le bâtonnier de l'ordre des avocats a été frappé. Okay? Donc, c'est une situation difficile. Et par la suite, et moi-même, j'ai été fait face à une tentative de kidnapping. Bon, évidemment, je fais ça pour me faire, je me suis en bas question là. Bon. Donc, qui fait que nous croyons que, et élection, oui, mais nous pensons que il faut que le problème, ça m'a renouvelé encore, il faut que le problème sécurité a réglé. Parce que pas capable de gagner une élection crédible si les gens, les gens qui disent que c'est candidat, ils ne sont pas capables de circuler à travers le pays, puis à le présenter pour Gamio, puis à le parler avec le peuple. Pour faire le peuple comprendre dans quel chemin ils voulaient aller avec. Donc c'est pour ça que nous pensons que ça doit prendre le temps qu'il faut, okay, pour nous aller dans l'élection. Le problème raté Gaza, il n'est même pas vraiment touché nous. Et nous-mêmes, par exemple, chaque mois, nous avons un bateau qui vient chaque 15 jours. Donc, par mois, c'est deux fois le bateau qui vient. Donc, problème raté, il est capable de bien pour un produit, mais sauf qu'on voit produit à vendre dans tout coin rue. C'est gasoline, il dit qu'il n'y a pas gagné. OK? Mais nous avons 198 400 barils qui viennent hier. Et nous commençons à distribuer déjà du côté de Toland et de Varou. Des fois, c'est problème transporteur ou à cause de problème de sécurité qui vient dans la zone Martissan et la zone Fontamara. Parce qu'on est Martissan lui-même, c'est diesel seulement, c'est stocké. Donc, pour Toland, il stocke tous les dépôts du haut. On a dit que pour passer dans la zone ça, avec problème de sécurité qui vient, fait que quelques compagnies n'ont pas qu'à charger. Mais nous-mêmes, Bembat, ça nous fait nous toujours charger terminal dans le panneau. D'accord? Nous, par mois, nous avons deux cargaisons qui viennent. Chaque 15 jours, nous recevons un bateau. Donc demain, si Dieu veut, d'ici là, nous recevons 250 000 barils diesel. Il y a un problème là, fond des cuvios. Et fond des cuvios, il y a des stocks là-dedans que nous avons commencé à distribuer. D'accord? Et sous ma chère là, dans la rue, le plus souvent c'est plus gasoline dans tout coin rue. Donc, c'est problème, ça n'est pas problème. Problème, ça n'est pas problème, pas nous. Lié exactement. Donc nous-mêmes nous résoudre problème ça déjà. Nous résoudre problème là. C'est ça qui fait que le stock qui vient là, c'est dans le fond des cuves qui ça s'est fait quelques distributions, mais. Et ça nous vient qui vient là, c'est approvisionnement normal nous, pour 15 ans. Donc c'est 198 400 barils. Il y a 36 000 calés pour Tolan. Et c'est Tolan hier tout, nous essayons de débarquer avant parce que nous avons un petit rendez-vous sous zone barre. Et puis en plus, et l'autre 162 400 barils là, donc nous répétons dans zone barre. Donc Varo, on est lui-même lui, censé recevoir pour Cap-Invest, okay, pour Kimazou et puis pour Dinassa. Mbad lui-même toujours pas un problème à cœur. Parce que nous-mêmes nous faisons travail. Il y a des gens qui disent que c'est
où est-ce qu'on y est dans le paiement. Mais ça, c'est au niveau du ministère de tutelle, du ministère des Finances qui règle ça. Donc, bateau toujours venir dans l'heure pour venir. Hein? D'accord? Nous-mêmes, ça pour nous faire, nous connaissons à temps pour nous placer comme Dieu. D'ailleurs, c'est comme Dieu pour nous placer, probablement pour compagnie, nous-mêmes pour rembourser nos l'argent. Donc, c'est nous-mêmes qui faisons ça à travers le ministère des Finances. Donc, mon pardon à nous-mêmes, c'est toujours pour produire disponible en qualité et en quantité dans toute pompe. Mais songez que, on voulait que la presse pas trop rappelé, et produire, ce n'est pas nous-mêmes qui mettons la pompe là. Nous-mêmes, nous là pour nous charger le terminal, c'est en amont. Donc, en aval, ce sont des compagnies qui ont des contrats avec terminaux qui sont capables de faire distribution sur tout le territoire. Le travail nous aboutit parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas rater pour nous placer comme Dieu, nous placer à temps. C'est pas ça que le ministère des Finances qui fait, c'est directement le venture idéal, il tout fait. Donc, quand il y a un bateau à venir, si cuvio, fond des cuvio, il y a un gaz toujours, il y a un côté qui doit pas recevoir un bateau à la rade là. Tout naturellement, c'est toujours autant aux commandes. Et par exemple, les réserves que nous gagnons, côté aussi tu as un problème d'eau, c'est dans des lieux sensibles. Et puis, vos réserves, dépôt que nous gagnons, c'est Varouvelier, commune Cité Soleil. Et toujours en situation de tension et de friction, et mon armée, et tout ça. Et le camion secteur qui est supposé fonctionner, le camion à charger d'ordinaire, il est supposé prendre plusieurs produits confondus. C'est-à-dire qu'un camion doit avoir plusieurs compartiments. Il a pris diesel, gasoline et kérosène à la fois. Mais par façon que comment Dieu passe, nous retrouvons dans une situation que aujourd'hui, en semaine, ça a gagné diesel, mais pas de gasoline. L'autre semaine, il y a gasoline, mais pas de diesel. C'est ça qu'on a observé pour le moment. Là. Okay? Mais la population avec l'industrie qui est tout aussi conscient de problème là. Et son seul comportement, mon raconte que il est susceptible pour l'empanne gaz, même et quel que soit le secteur, le lab commandé, il commande beaucoup plus. De fait, ça crée une pression sur le produit. Et normalement, tout produit confondu, ça je m'en parle là, avec quantité de réserve que nous gagnons, pays en gain, il faut nous avoir un bateau d'affluence tous les 14 jours, tous les 15 jours, 14 à 15 jours. Et le moins dit 14 à 15 jours, là, c'est sans interruption. Hein? Et parce que nous faisons environ entre 22 et 25 000 barils par jour. Mais maintenant, si il y a autant sous commande, avec toute affluence à gagner, c'est sûr que le pays a toujours une rupture de carburant. Ça. Pas oublier que c'est tous les 10 départements qui comptent sur 3 dépôts pétroliers ça, pour refourer. Et au cours de 20 dernières années, de 20 à 30 dernières années, ça s'est passé là. Et pas de gros investissement vraiment qui fait dans le domaine pour augmenter la capacité. Et d'autant plus que le volume n'a fait que croître au fil des années. Situation de crise, de tension. Par exemple, et le monde a fait investissement dans les bâtiments, stations ou bien les industries. Ils dépendent de produits ça, de produits stratégiques, ça, qui soit diesel ou bien gazoline pour faire. Pour faire business ou bien industrie de la marché, avec tendance même d'éventuelle rupture de stock là, c'est faire le plus de commandes que possible, et puis c'est tout le monde qui va aller dans ce sens-là, et pour avoir une affluence énorme sous dépôt, qui d'ailleurs pas qu'à desservir quantité de machines, ça qu'on a parlé là, quantité de clients, ça qu'on a parlé. On investit sur une infrastructure, sur une station, il dépend de quantité de volume que le fait, pour le tirer de l'affaire. Okay? Ça n'a pas fait aucun sens pour mon jeune opportunité où je vends et pour Kébel pour ne pas vendre et puis pour que gagne un jour de stock. Ça ne fait aucun sens. C'est un bar qui relativement, même j'avais un monde qui a un dépôt cola tout, et dépôt cola, tout le monde a un dépôt cola. Ok? Ce qui ça fait différence, c'est la quantité où je vends. C'est le même pour une station d'essence. Une station d'essence, au fur et à mesure que la quantité où je vends, pour rentabiliser le business en plus. Okay? Et si que y a des bagailles qui sont relatifs et avec un monde qui a fait un marché noir, que l'État a pris disposition
et fait travail. L'État fixe le prix à la pompe. Ce n'est pas pour dire même si on est capable de spaghetti, on est capable de cola. Ce n'est pas le monde qui fixe le prix, c'est l'État qui fixe à la pompe. Moi, je comprends ni formal que un monde qui était allé hors de moyens pour le vendre, dit la vendre à un prix qui est hors de structure. Ok? Et maintenant, ça nous avec manque de produits qui sont disponibles dans le pompier, où j'en ai une quantité de monde effectivement, que nous mêmes propriétaires de pompiers pas qu'à nous pas qu'à ligner là nous gain gaz là et vient acheter dans galon et acheter dans galon questionnable parce que il y a des monde qui vient acheter c'est pour usage personnel yo pour Delco la caillou pour machine yo qui peut déjà en panne gaz pour motocyclette qui peut déjà en panne gaz comme ça pour gain des monde qui de mauvaise foi qui prend le cal revendre à un prix beaucoup plus élevé malgré insécurité hein, par exemple terminal Varo qui on a pigou yo. Malgré l'insécurité, les chauffeurs ont fait du mieux que capable d'aller en bas, malgré un pile d'influence, un pile qui a besoin d'entrer à la fois. Et le gaz est arrivé sorti, mais pas que j'en pour sortir parce que tellement d'influence. Pas oublier, comme on dit encore, c'est 10 départements, yo, pays a qui comptait de 3 terminales. Nous trouvons nos situations côté majorité. Force organisée dans la société doit mettre tête ensemble pour capable jouer une solution dans une entente nationale. Cependant, même si pas de solution institutionnelle, pas de solution constitutionnelle, mais peuple haïtien a été grand monde, peuple haïtien a écrit plus belle page histoire qui gagne. Et non seulement l'écrit page histoire parle, l'aider l'autre peuple écrit, mais lui-même lui fait histoire parle pour contre lui. Et je dis à peuple haïtien besoin de toute liberté pour le capable décider sur ce qui est bon pour le pays, pour l'avenir. Et peuple haïtien a une capacité pour ça. Il n'y a pas de solution institutionnelle, pas de solution constitutionnelle. Est-ce que c'est même monde qui a contribué pour mettre le pays dans ça qui pour jouer une solution. Nous avons toujours chita avec vous. Mais la solution, c'est le peuple haïtien pour jouer. Nous-mêmes, dans le FND, organisation avec parti politique qui est dans le FND, qui bail conférence à matin, nous disons, non, en tant qu'il n'est pas trop long, il faut que le gouvernement, il faut que l'exécutif bicéphale là, l'établi. Ça veut dire, il y a un premier ministre. Nous-mêmes, nous ne venons pas dire retirer le Premier ministre ou bien écraser. Mais nous venons demander pour gagner un président qui est installé dans le palais national, qui pour prendre décision. Moi-même, étant que femme, étant que maman petite, je dis, hein, nous avons conférence ça pour nous expliquer comment n'a mal vivre dans l'insécurité ça. Je ne dis pas que personne qui est pas nié dans l'insécurité ça. Ou sorti, ou a prié bon Dieu, si ou a entré la caillou. Président, qui a plus sécurité en dedans pays, hein, parce que tout le monde est victime, et nous-mêmes. Qui pas gen personne après bon Dieu. C'est ça que fait. Nous-mêmes, organisation femmes qui en dedans FND, je dis, hein, n'a pas parlé pour femmes qui pas capable parler, femmes qui s'envoient, femmes dans marché quoi beau salio, femmes mad sara, femmes sous do camion, les garçons insécurité c'est sous do femmes. Li reposer parce que les garçons mouri li quitte 2 3 4 5 petites nan men yon femme les femmes nan mouri ti moun yo lagué dans la rue jodi an nous constater ça ou vle ban nou exécutif monocéphale là nous pas habitué à comportement ça nous pas habitué avec gouvernement ou seul tête là nous habitué avec yon président yon premier ministre. Yon premier ministre pas qu'à convoquer peuple là pour dire pour aller voter. Yon premier ministre pas qu'à nommer pièce ni pas qu'à évoquer pièce. C'est yon président,
yon premier ministre d'après constitution, pas nous, constitution 87 là. Rapport prise en charge des urgences, prise en charge, donc a dit dans mois de juillet 2021. Pour cas confirmé dans la question COVID-19 là, nous avons fait 38 cas qui baillent un pourcentage de 4%. Pour cas suspect, nous avons fait 11 cas qui baillent un pourcentage de 1%. Pour femmes enceintes, nous avons fait 241 cas qui baillent un pourcentage de 24%. Pour maladies chroniques, nous avons fait 39 cas qui baillent un pourcentage de 4%. Pour accident de voie publique, nous avons fait 76 cas qui baillent un pourcentage de 7%. Pour détresse respiratoire, nous faisons 55 cas qui baillent un pourcentage de 5%. Pour les gens qui boulent, nous faisons 17 cas qui baillent un pourcentage de 2%. Pour trauma crânien, nous faisons 18 cas qui baillent un pourcentage de 2%. Pour plaie par balle, nous faisons 6 cas qui baillent un pourcentage de 1%. Pour les gens qui sont blessés par coup de couteau, coup de manchette, nous faisons 21 cas qui baillent un pourcentage de 2%. Pour transfert l'hôpital avec un autre hôpital, nous faisons 290 cas qui baillent un pourcentage de 19%. Et puis pour autres, nous disons que c'est l'autre pathologie, nous avons fait 190 cas qui baillent un pourcentage de 29%. Faut dire tout à travers les rapports statistiques, ça, nous différencier ni garçons ni filles. Pour le mois de juillet, nous avons fait, pour garçons, nous avons fait 412 cas. Et puis pour mesdames, nous avons fait 535 cas. Donc, faut dire tout par rapport à ça, et nous différencier Timoun Yotou dans la tranche d'âge. Tant que Timoun 5 ans, il y a des pathologies qui lient ensemble avec eux, que nous faisons prise en charge pour eux. Tant que troubles neurologiques, nous fait 4 cas, ça c'est Timoun 5 ans, nous fait 4 cas qui baillent un pourcentage de 9%. Pour détresse respiratoire, nous fait 10 cas qui baillent un pourcentage de 28%. Pour pathologie digestive, nous avons fait 4 cas qui baillent un pourcentage de 11%. Pour traumatisme, nous avons fait 3 cas qui baillent un pourcentage de 8%. Et puis pour autres, nous avons fait 5 cas qui baillent un pourcentage de 14%. Ça, c'est pour les gens de 5 ans. Nous disons les gens de 6 ans jusqu'à 15 ans. Pour traumatisme, nous avons fait 10 cas qui baillent un pourcentage de 31%. Et puis pour pathologie digestive, nous avons fait 3 cas qui baillent un pourcentage de 9%. Pour COVID-19, nous avons fait 1 cas qui baillent un pourcentage de 3%. Pour douleur thoracique, nous avons fait 1 cas qui baillent un pourcentage de 3%. Pour détresse respiratoire, nous avons fait 1 cas qui baillent un pourcentage de 3%. Pour Timoun dans 15 ans tout, qui était enceinte, nous avons fait 1 cas qui baillent un pourcentage de 3%. Et puis pour troubles neurologiques, nous avons fait 9 cas qui baillent un pourcentage de 28%. Donc ça permet que tout, à travers rapport statistique ça, et pour tout département ça, que je vous dis là, qui travaille dans le réseau CANNA. Tant que pour l'Ouest là, nous avons fait 569 cas. Pour Atibonite, nous avons fait 161 cas. Pour Sud-Est, nous avons fait 90 cas. Pour Nord-Nord-Est, nous avons fait 66 cas. Pour Sud, nous avons fait 47 cas. Pour Nord-Ouest, nous avons fait 40 cas. Pour Grandance, nous fait 18 cas, pour NIT, nous fait 11 cas, et puis pour Centre, nous fait 0 cas. Rapport statistique, Canan, que ça fait 3 ans depuis qu'on a publié le rapport, lui permet que Mounio connaît qui travaille, Canan a fait dans tout département, qui travaille, Canan fait tout dans l'Ouest, là, et qui peut permettre que Mounio mais qui avantage Canan bail, mais qui désavantage tout, qui gagne la donne. Nous sommes toujours là pour nous bailler service. Mais le mois de juin, il était un petit genre par rapport avec le mois de juillet, il y a quelques petits baisses la donne. Tant que nous avons gagné moins d'accidents, nous avons tout, gagné moins de femmes enceintes, mais femmes enceintes ont toujours gagné pile femmes enceintes, et puis toujours tout gagné pile accidents tout. Et puis pourcentage tout qui toujours monté, des fois qui monte, qui descend, c'est pourcentage transfert l'hôpital avec un autre hôpital. Bon, faut dire, tant que slogan on dit, c'est Cannes 116, toute urgence, tout côté, tout temps. Donc avec aide population, hein, pas de côté, nous pas traverser. Sauf que, je suis capable de spécifier que si un monde, par exemple, prend balle en dans Matissan ou est 116 là, laisse ça nous capables d'avancer sous la rue parce que nous ne pouvons pas entrer dedans pour nous risquer de nous en pile. Donc nous avons avancer sous la rue, laisse ça nous capables de jouer un service.
Bon, pour nous dire local canan pas gain aucun problème. Donc tout le monde dans zone entourage côté Kania dans Simon Pelé. Donc pas gain problème avec nous, ils ont bien collaboré avec nous. Donc nous ka di n'a fonctionné normal. Fon dit tout à peu près kounya nous gagnons une centaine de machines, presque une centaine de machines cap desservi tout pays, tout département. Bon, si mon dernier mot m'a dit avec toute population, m'a dit que coronavirus est toujours là. Donc toujours prendre précaution à savoir laver main nous, utiliser cache-nez nous pour permettre que maladie n'est pas propagée et puis permettre que tout téléspectateur radio télé Guinée Cap Gardé pas fait 116 pour nous bailler blague, mais fait 116 l'année urgence seulement. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec la chaîne là. Et toujours songer pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable de joindre nous. Son babé à chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée. Thank you.